Bien, on essaie un nouveau modèle. Habituellement, dans l'Église unie, on aime ça que ça soit démocratique, puis tout le monde engage, puis on fait toutes sortes de débats. Mais là, on se fait dire que pour quelques jours, il faut écouter. Il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter. Puis il faut se retenir de ne pas trop dire notre opinion pour s'assurer qu'on comprend bien l'autre. Puis ensuite, le pari, c'est que si on fait ça comme il faut, on va arriver à la fin, puis les débats vont être moindres, puis ça va être plus facile de se rendre à un consensus, puis de prendre une décision qui considère aussi les points de vue qu'on ne considérerait pas normalement si on était trop attaché à sa propre opinion. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que si ça marche, je vais essayer ça dans ma région, je vais essayer ça dans ma paroisse, je vais essayer ça partout, parce que si quelque chose peut faire en sorte que nos décisions démocratiques dans l'Église sont plus rapides et plus justes, pourquoi pas?